Comment vous résumeriez la préparation du Cameroun? On sait que la sélection a été au Brésil avant de rallier le Gabon. Dans un plan global, êtes-vous satisfait de ce qui s'est fait et pourquoi avoir choisi le Brésil? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Cameroun est une terre de handball et n'a jamais eu réellement l'occasion de se préparer. Donc nous avons eu la chance avec cette génération que les pouvoirs publics nous aient accordé cette opportunité d'aller nous préparer dans un cadre où nous avions tout l'environnement professionnel possible pour pouvoir participer à une telle compétition. Donc le Brésil, c'est vrai, le Cameroun a une coopération sportive avec le Brésil, mais c'est aussi vrai que pour une compétition qui a lieu au Gabon sous les tropiques, le Brésil, Sao Paulo, c'est sous les tropiques, nous étions dans le même climat avec tout l'environnement nécessaire pour une compétition comme celle-ci. Donc nous ne sommes que ravis et nous remercions le gouvernement qui a bien voulu que nous allions au Brésil. L'ambition du Cameroun. Quand nous avions été portés à la tête de cette équipe, les objectifs étaient clairs. Nous avons toujours été cinquième en nous préparant sur place. Donc nous venons ici avec les moyens que les pouvoirs publics ont mis à notre disposition. Quitter d'abord cette cinquième place et le reste, on verra. D'accord. Peut-on dire que la troupe est au complet? Nous sommes au complet. Nous n'attendons plus que demain pour voir si la mayonnaise que nous croyons avoir déjà pris va réellement prendre demain.